Le Campion a décidé de se lancer dans la course des élections parisiennes. Bonjour, Monsieur Campion, bienvenue. À vos côtés également, Karim Britel, qui est tête de liste du mouvement Libérons Paris dans le 17e arrondissement. Première question, comme ça on va la liquider tout de suite, Monsieur Campion. N'est-ce pas pour prendre une certaine revanche vis-à-vis de Anne Hidalgo, qui a, on le rappelle, fait déplacer la fameuse grande roue, que vous vous présentez face à elle? Pas du tout, si vous voulez, ça c'est professionnel. Bon, elle ne s'entendait pas avec la roue, elle l'aimait bien avant, elle ne l'aimait plus après. Bon, ben, ça c'était son problème, malheureusement. C'est quelque chose qu'il faut mettre de côté, c'est une affaire que j'ai perdue, tant pis, la vie, la roue tourne, on va dire. Mais oui. Non, ça n'a rien à voir. Je suis né à Paris, je suis parisien, je suis un homme du peuple. Et quand je vois Paris dans l'état où c'est devenu insalubre, insécuritaire, et puis des trottinettes qui s'opposent au vélo, les vélos qui s'opposent à tout. Vous prononcez pour l'interdiction des trottinettes, vous? Non, mais c'est tout. C'est toute l'atmosphère de Paris qui me déplaît. Vous vous rendez compte, Paris, pour moi, c'était ma ville enchantée. Maintenant, c'est devenu ma ville en chantier. Ouais. Donc, il faut faire quelque chose. Absolument. Et comme dans les programmes des autres, je ne vois rien venir. Donc, je me présente comme homme du peuple. Et comme homme du peuple, dans lequel vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le Paris du bon sens », au Mareuil Édition, c'est en quelque sorte c'est votre programme, ce que vous proposez aux Parisiens et aux Parisiennes. Alors, il y a quand même pas mal de c'est bien élaboré, en tout cas, c'est bien fourni. Notamment, vous voulez lutter contre... Vous trouvez Paris sale. Ah bah écoutez, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Vous voyez, tous les Parisiens, ils se plaignent de la prolifération des rats. Vous avez vu que les rats, ils sont multipliés par 4. Ouais. Avant, on nous disait un rat par Parisien. Maintenant, il y en a 4. Attention, si on continue avec Madame Hidalgo, il y aura 10 rats par Parisien. Non, il faut dératiser tout ça, y compris l'hôtel de ville. Monsieur Campion, Madame Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris, a fait et a mis en chantier beaucoup de travaux. Mais est-ce qu'à l'issue de ces travaux, ça ne va pas nous donner quand même un Paris qui changera un peu de visage, à l'image par exemple de Châtelet, qui est quand même beaucoup plus beau qu'avant? Non, mais attendez. Non, mais je... Voilà. Attendez, moi, Paris plus beau qu'avant. Regardez les belles places qu'ils sont en train de nous faire. Celui qui s'y retrouve à la place de la Bastille pour s'en sortir, il est fort. Maintenant, c'est pratiquement fini. Vous ne pouvez plus sortir entre les vélos, les trottinettes et les voitures. Vous ne pouvez plus vous en sortir. La circulation est devenue impossible. C'est quand même la capitale de la France, Paris. Ouais. C'est quand même une ville qui doit vivre avec 2 200 000 et quelques habitants. Ouais. On doit circuler. Il y a des livraisons. Il y a tout ça. Alors, Madame Hidalgo veut faire tout ça à bicyclette. Elle a un petit vélo dans sa tête. Oui, c'est ça qu'elle a. Alors, pourquoi vous attaquez aux trottinettes? Alors les trottinettes, quel problème elles vous posent? Il faut les arrêter immédiatement. À moi, ils ne me posent pas de problème puisque je n'en fais pas de trottinettes. Je ne suis pas fou, moi. Bon, que les jeunes s'amusent avec eux, c'est bien, avec les trottinettes. Mais vous avez vu, ils déambulent de tous les côtés. Les trottinettes, ils sont sur les trottoirs. Vous avez des retraités qui tombent dans les trottinettes. Sur les trottoirs, vous avez des trottinettes qui circulent à travers les routes, partout. Il n'y a pas de code de trottinettes. Nous, on a des codes de la route, mais il n'y a pas de code de trottinettes. Et les hôpitaux sont pleins, les urgences sont pleins de blessés. De ces gens-là. Il faut arrêter ça tout de suite. Ça rend service quand même, non? Oui, aux quelques-uns qui veulent bien s'amuser avec ça, mais moi je leur conseillerais d'aller dans une cour de récréation pour faire de la trottinette, certainement pas dans la capitale de la France. Et le vélo? Bah, le vélo, oui, il faut laisser une partie de vélo. Il y a des gens qui veulent faire du vélo, mais il ne faut pas laisser par exemple les quais à tous les vélos. Il faut qu'on rouvre les quais absolument pour désengorger ce qui se passe. Vous vous rendez compte? On nous explique pour la pollution, ça aussi c'est une salade qu'on est en train de nous vendre. La pollution, la voiture pollue, donc on ferme les berges. Seulement en haut, vous avez 3 fois plus de voitures, toutes les rues sont engorgées de voitures. Il faut désengorger Paris et puis laisser les berges ouvertes. Comment on désengorge Paris? Eh bien déjà, en laissant tous les tunnels ouverts qu'ils ont fermés pour essayer de faire des attractions qu'ils n'arrivent pas à faire. Vous avez vu que ces bandes de fous, là, ils ont calculé un système pour que dans les tunnels, ils puissent faire des attractions la nuit. Des attractions de quoi? En trottinette, pour faire quoi? Dans le noir? Non, je pense que tous les tunnels qui sont rue de Rivoli, qui sont du côté des quais, qui sont aux Champs-Élysées, tout ça, ça doit rouvrir. Ça empêche la circulation. C'est comme les travaux, ne croyez pas que les 8300 chantiers sont des vrais chantiers. Il y en a à peu près la moitié qui sont des faux chantiers pour empêcher la circulation. Pourquoi? Parce que c'est dogmatique. Madame Hidalgo s'est entourée, elle a trouvé en 2016 qu'il fallait qu'elle passe au vert. Pourquoi? Parce qu'avant, elle n'était pas dans la même couleur, elle était au rose. Maintenant, elle passe au vert, puisque c'est l'écologie qui doit remporter le pompon. Le pompon, c'est gagner les élections. Donc, tous ces gens-là nous expliquent, sauver la planète, sauvons la vie, sauvons tout, grâce à la trottinette, au vélo. Ça suffit, il faut arrêter cette sarabande. Paris est en train de se détruire. Et si jamais elle fait un nouveau mandat, Paris sera fini.
Oui, alors les sondages ont l'air de donner un avantage à Rachida Dati cette semaine. C'est quoi ces sondages? Écoutez, je suis curieux de savoir qui pose les questions. Vous qui êtes crédité 2%, ces sondages. Vous, hein, c'est ça? Non, non, mais moi je dis que c'est des faux sondages, tout ça. On connaît l'arnaque. Vous savez que nous, pour ce qui nous concerne, ça fait un an qu'on a déposé nos statuts, qu'on a déposé un mouvement. Il y a une omerta terrible sur nous. Donc s'ils n'avaient pas peur de nous, ils nous laisseraient parler. Mais ils ne nous laissent pas parler parce que nous, c'est le ils bon sens. Ils ne nous prennent pas au sérieux, monsieur Campion? Non, non, c'est ça, c'est pas ça. C'est pas nous prendre pas au sérieux. Au contraire, ils nous prennent très au sérieux et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Regardez tous les médias. Je n'ai pas fait un seul plateau. Je n'ai pas fait la une d'aucun journal. Ouais. Pourtant, ils ont nos programmes. Ouais. Mais ça va changer. Je peux vous annoncer un scoop. Cette semaine va sortir un sondage de l'IFOP et vous verrez. Je pense que la donne va changer et que les comiques vont ravaler un peu leur sable. Alors comment vous regardez, avant de poser quelques questions aussi à M. Britel ici, qui est tête de liste du mouvement Libérons Paris dans le 17e, comment vous regardez un petit peu cette ambiance un peu particulière? On est à une semaine du déclenchement du scandale de Griveaux. De quel œil vous regardez tout cela pour Paris? Bah écoutez, moi je vois, on abuse un, on abuse deux, on abuse trois et on nous abuse surtout. Bon, ça c'est, bon, c'est, on en rigole, mais si vous voulez, quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne mal. On nous présente Rachida Dati qui va sauver le coup. Seulement, pourquoi depuis toute la période qu'elle a été dans la mandature de Mme Hidalgo, pourquoi elle était de mèche avec elle? Elle a voté tous les projets de Mme Hidalgo et maintenant la voilà contre. Moi, je pense que le pouvoir, c'est une chose. Ce sont des gens qui sont autour d'une table et de temps en temps, il y en a un qui perd, l'autre qui gagne et donc ils se décalent d'une place et ils sont toujours autour de la table et ils ne veulent pas d'intrus. Nous, nous sommes des intrus. Un homme du peuple, ils n'en veulent pas. Donc, ils s'arrangent avec les médias. Vous savez très bien comme moi que tous les médias appartiennent à des gens qui sont riches. Oui, des milliardaires. Y compris certaines télévisions. Oui. Bon, eh bien, regardez avec qui fonctionnent ces gens-là. Ils travaillent avec eux. Donc ils travaillent tous ensemble, ils se tiennent tous par la barbichette et ils veulent pas d'intrus. Donc c'est aussi pourquoi je n'ai pas, là, pour l'instant, les médias. Mais ça va changer parce que la donne du CSA me donnait comme quoi je n'avais pas de notoriété. Ben, vous apercevrez que j'ai autant de notoriété cette semaine que toute cette clique-là, qui eux sont connus parce qu'on les rabâche sans arrêt à la télévision. Et moi je suis simplement connu parce que je suis un Parisien depuis longtemps. Marcel Campion ici présent sur France Paris 2 en direct pour les municipales. Il se présente le mouvement Libérons Paris, donc pour les élections parisiennes qui ont une petite particularité parce que c'est une élection en trois tours finalement. Hein, ouais, c'est une élection un peu dramatique parce que les Parisiens ne peuvent pas élire leur maire, ça c'est un scandale. On avait fait un courrier au président de la République il y a plusieurs mois et il a répondu à côté de la plaque. Alors lui qui réforme tout, il veut pas réformer Paris, ça doit l'arranger. Il a répondu déjà, c'est bien. Oui, il a répondu, oui, parce qu'on a quand même un peu l'obligation de répondre. Bon, ça ne s'est pas fait tout de suite. On a attendu 3 mois pour avoir la réponse. Tout ça pour nous dire qu'il ne tenait pas à changer le statut de Paris. Il lui convient bien. Pourquoi? Parce que c'est un statut de combinard, le statut de Paris. Ça sera la combine du troisième tour. À savoir que les Parisiens croient voter pour un programme. Ils vont voter pour quelqu'un qui présente un programme. Et au troisième tour, le programme disparaît. C'est un peu ce qui s'est passé avec Mme Hidalgo. Mme Hidalgo a fait une alliance après avec les communistes et les Verts. Et bien, elle s'est retrouvée avec leur programme. C'était pas le sien du tout. Quoique, elle a de la chance parce qu'elle n'était même pas élue par les Parisiens. Elle était élue en quatrième position dans un arrondissement. Vous lui en voulez beaucoup à Mme Hidalgo? Comment? Vous lui en voulez beaucoup à Mme Hidalgo? Non, j'y en veux pas. Je vous quand veux. Même, on sent. Vous vous rendez compte, la destruction de Paris? Non, mais d'accord. La destruction, j'y en veux parce que moi j'habite à Paris et que je vois ça tous les jours, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse dans la rue. Écoutez, je suis dans un beau quartier, moi j'ai un avantage. Ouais. Si vous voyez les rats, ils cavalent le long des trottoirs tous les matins, il faut les chasser à coups de balai. Vous trouvez que c'est normal avec ces gens-là, avec les dettes qu'ils ont fait? C'est des milliards de dettes. Et heureusement qu'on a soulevé le pan des dettes il y a quelques mois, parce que personne n'en parlait. On a été le premier, j'ai été le premier à soulever le pan des dettes en disant qu'on finirait une mandature avec 8 milliards. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. La ville a annoncé 5, 6, 7 maintenant, et vous voyez qu'on va dépasser les 8, sans compter ce qui est caché sous le tapis, parce qu'il y a quand même quelques milliards encore cachés sous le tapis. C'était sur le Figaro il y a 2 jours, c'était Bercy qui a donné cette annonce, il y avait un petit milliard qui avait disparu. Bon, vous vous rendez compte, à 1 milliard près, ils savent pas où qu'ils en sont, c'est des incompétents. Karim Britel, vous êtes vous tête de liste du mouvement Libérons Paris dans le 17e. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce mouvement de Marcel Campion, Karim Britel? Bonjour à toutes et à tous. Ben écoutez, moi j'ai fait de la résistance à la politique pendant 15 ou 20 ans. J'ai toujours été de droite, je ne m'en cache pas. Ouais. J'ai fait un peu de diplomatie parallèle entre le Maroc et la France, et avec des conférences sur les valeurs de la citoyenneté, sur la réinsertion, sur la sécurité internationale, des fois dans des lieux symboliques tels que l'Assemblée nationale. Et quelque part, je faisais de la politique tout seul. Mais je ne voulais pas faire partie
d'un parti qui me guide, qui me dicte ce que je dois dire et qui me met dans une espèce de couloir avec des limites partout. C'est ce qui vous a, c'est ce qui a fait que Marcel Campion a réussi à vous convaincre. Là, j'ai accepté justement parce que c'est Marcel Campion. Parce ouais. que sans franc-parler, parce que c'est un homme libre, parce qu'il va jusqu'au bout de ses engagements et qui n'impose rien à son équipe, à part du bon sens justement. Je vois comment il gère ses entreprises. J'entends ses collaborateurs parler de lui. Vous savez, je suis dans la formation depuis et je fais de l'audit depuis quasiment 34 ans. Et je peux vous assurer qu'il est bon dans la gestion des hommes et dans la gestion des budgets. Que demander de plus à un maire de Paris ? On parle des entreprises, Marcel Campion, c'est vrai que vous en avez beaucoup. J'en ai eu beaucoup, mais j'en ai moins en ce moment. Oui. Mais j'ai toujours du personnel. La fête à Neneu, par exemple, c'est toujours vous ? Alors non, attention, la fête à Neneu, c'est moi qui l'ai mis en route il y a pas mal d'années. Ouais. Et j'avais un ou deux manèges, mais c'est pas moi la fête à Neneu. Il y a plusieurs forains, comme la Foire du Trône, où vous avez 300 forains, 300 métiers qui représentent 2000 personnes pour accueillir 3 millions de visiteurs. Et moi, là-dedans, j'ai deux ou trois manèges à moi. J'ai pas la Foire du Trône. Vous avez combien de manèges, vous J'en ai eu jusqu'à 10. Hein. Ah oui. Bon, maintenant, il m'en reste deux ou trois. Je sais pas exactement ce que je fais fonctionner. Ça coûte cher, un manège, tout dépend de la relation du manège. Vous avez un petit manège d'enfant, vous allez l'avoir à 100 000 euros, puis vous arrivez à la Grande Roue, il faut 10 millions d'euros. Ah oui. Donc, il y a une échelle. C'est comment comme se porte la Grande Roue, d'ailleurs? Elle se porte pas bien, mais la roue tourne. Elle a perdu de l'argent? Pour l'instant, elle est en remise. J'ai perdu le travail. Bon, pendant un moment, j'évoquais d'essayer de la vendre ailleurs, puis ça m'a pas plu. Je dis, elle reviendra de toute façon à Paris. Et elle est revenue, puisque cet hiver, on l'a installée dans le Jardin des Tuileries pour un événement qui s'appelle la Magie de Noël. Et l'État a bien voulu nous concéder un emplacement au monde forain, alors que la ville n'en voulait plus, parce qu'il faut savoir que la ville ne veut plus de forains. Ouais. La ville de Paris n'aime plus les forains. Pourquoi, on ne sait pas. Hein. Je l'ai mis dans mon dernier livre, qui s'appelle « Le Paris du bon sens ». Vous verrez qu'il n'y a pas de revanche. Édition. Édition Mareuil. Et je l'annonce un peu dans la préface. Je dis, il s'est passé quelque chose avec la maire de Paris. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. Est-ce qu'elle a eu le tournis parce qu'elle n'aime pas les manèges? Non, je crois qu'elle est environnée de 3 ou 4 clients. Moi, je les ai appelés à un moment donné. J'ai fait une petite faute, on va dire un dérapage. Mais j'en suis même pas sûr. Oui, ouais. J'en suis même pas sûr. Mais je vais plus parler de ça, que je vais dire que c'est des pervers. Ils sont autour de la maire pour essayer de faire du boulot. C'est-à-dire, ils ont essayé de m'assassiner pour prendre le genre d'affaires. Ils ont cru que c'était des affaires facilement prenable. Puis ils s'aperçoivent que c'est pas commode, parce que nous, c'est du boulot. Ces petits personnages-là qui essayaient de faire des affaires, ils sont dans un bureau avec le stylo à la main et ils croient qu'ils vont ramasser la recette comme ça. Non, Marcel Campion, maire de Paris, vous remettez la Grande Roue à l'été ? Non, pour l'instant, on verra si... Non, pour l'instant, j'ai plus besoin de la remettre où elle était. Mais je suis en débat avec la mairie de Paris, vous savez, et puis l'État, parce que je demande la propriété de l'espace de la Concorde. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Oui, oui, oui. Il s'avère qu'ils sont tellement tous incompétents que la mairie de Paris, non seulement après m'avoir viré avec la roue, a décidé d'enlever les deux stands que nous avions depuis une vingtaine d'années avec des contrats avec la ville. Mmh. Et quand on est arrivé au tribunal, ils ont été incapables de justifier la propriété du site. Donc le tribunal les a renvoyés dans leur case. Et comme personne ne demande la propriété du site, c'est jamais qu'un hectare et demi en plein centre de Paris, eh bien je revendique la propriété dans une mesure justiciable avec... ça s'appelle l'usucapion. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. Le principe d'usucapion, c'est que si vous occupez un espace pendant un certain nombre d'années et que pas de propriétaire se déclare, vous pouvez revendiquer la propriété. C'est ce que je suis en train de faire pour l'espace qui est Place de la Concorde. Très bien. Marcel Campion, avant de laisser la parole à mes collègues, amis, Tarek Mami et Abdeslam Itach pour une question. Quelle sera votre première grande décision en tant que maire de Paris, si toutefois vous y arrivez ? Immédiatement, mais je pense que je vais y arriver. Ça va être une grande surprise pour tout le monde, parce que entre les sondages bidons et puis tout ce que font c'est les noté, médias pour faire entendu, passer hein. leurs clients. C'est entendu à la radio. Oui, attention, tant mieux, monsieur Campion. Avec tous leurs clients en ce moment qu'ils essayent de propulser dans la tête, dans le cerveau de tout du troupeau de moutons dont nous faisons partie. Parce que voilà comment je vois, moi, tous ces médias et tous ces gens qui vous balancent des clients sans parler de programme. On vous dit que lui, il est plus beau, et ainsi de suite. Vous voyez, Griveaux, il était beau, d'un seul coup, il est plus beau. Vous voyez, donc c'est quand même eux qui les fabriquent ou qui les font disparaître. Enfin, il est beau pour d'autres personnes, peut-être. Oui, oui. Bref, alors, monsieur Campion, première grande décision. Ma première grande décision, on ouvre les berges, déjà, immédiatement, semaine, on ouvre les tunnels et on vire tous ces faux travaux qu'il y a dans Paris, déjà, pour désengorger tout ce système. Comment vous arrêtez des travaux en place ?
Mais il y a des travaux qui servent à rien. Ouais. Regardez, vous passez le long de la rue de Rivoli, là. Oui. Vous avez des barrières depuis à peu près 2 ans. Il n'y a rien dedans. Il y a des panneaux, des bouts de bois, des machins. Il n'y a rien. Des travaux comme ça, je peux vous en citer plus de la moitié. Sur les 8300 chantiers, il y en a plus de la moitié qui servent à rien. Il faut déjà les enlever tout de suite. Ça a été mis pour, justement, engorger la ville pour éviter les voitures. Voilà le procédé de Madame Hidalgo qui dit « Ah, il y a moins de voitures, forcément, ils les emmerdent tellement que entre le ramassage qu'ils font les contraventions et puis en même temps prendre la place des voitures, il se peut qu'il y en ait un peu moins. Mais dans d'autres quartiers, il y en a beaucoup plus. Donc ça emmerde tout le monde et tout le monde le sait. D'ailleurs, vous verrez cette semaine un sondage qui est pas mal fait. Oui, qui est pas mal fait. Vous verrez parce que c'est pas moi. Il sortira mardi. D'accord, on prend note, mardi. Et à propos d'un problème aussi récurrent à Paris, le problème des logements, hein, les marchands de sommeil, le problème des logements inoccupés, qu'est-ce que vous proposez là-dessus ? Alors écoutez, déjà je propose qu'on voit clair dans l'histoire, c'est parce que la ville elle gère 150 000 logements, je ne sais pas si vous le savez, 150 000 logements qui ont été réadaptés dans une société qui s'appelle Paris Habitat, dont la ville a les commandes. Il faut savoir que ces logements, normalement, devraient être des logements sociaux. Mais il faut savoir aussi que la maire de Paris, par un tour de passe-passe, a préempté pas mal de logements, pas mal de loyers de logements pour se faire de la trésorerie avec un accord de l'État. Ça, il paraît que c'était un beau petit tour de passe-passe pour rentrer quelques centaines de millions dans la caisse. Mais en même temps, le logement social a augmenté. Donc il faut regarder tout ça de près pour remettre ça à niveau. Et puis si Paris a de l'argent, si on arrive, parce qu'attention, vous regardez tous les candidats en ce moment, ils font des promesses mirobolantes, mais avec quel argent ? Vous aviez vu, Griveaux, il voulait donner 100 000 euros à tous les gens qui voulaient acheter un appartement. Donc, vous voulez déplacer la Gare de l'Est surtout. Attendez, il aurait donné 100 000 euros à 50 000 jeunes, il fallait 5 milliards. Vous croyez que lui, il aurait donné 1 euro de sa poche ? Lui, il n'aurait rien donné du tout. Lui, ça lui coûte rien de faire des promesses comme tous. Donc ça, c'est pas possible. Déplacer la Gare de l'Est, il savait très bien qu'il mettait encore un coup d'un... C'est de l'arnaque, sous ces gens-là. Bon, il a vu plus tard qu'il avait fait une connerie, donc il a arrêté un peu. Madame Buzyn l'arrête tout de suite. Mais ils vous font des promesses. Les promesses, ça sert à rien. Faut déjà compter. Faut savoir compter. Le budget de la ville, il est de 10 milliards. Il faut pas faire de dépenses supplémentaires. En ce moment, avec les dépenses et la faillite qu'a fait Madame Hidalgo, il y a un prélèvement juste pour les intérêts pour les banques de 300 à 400 millions par année sur le budget. Les banques se régalent avec des gens comme ça, ils marchent tous ensemble, ils peuvent faire des... Alors ils disent c'est des dettes, d'accord, mais on paye des intérêts, mais c'est le Parisien qui paye des intérêts, c'est pas elle. Vous vous rendez compte qu'à ce moment, ils vous annoncent une dette qui est de plus de 3000 euros par personne. Ouais. Mais un foyer de 4 personnes, ça fera 12 000 euros, vous croyez qu'ils vont les payer les Parisiens ? Donc c'est une ville en faillite qu'on nous présente, et elle veut faire un deuxième mandat pour faire la même chose. Et qu'est-ce qu'elle a construit en attendant ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Moi, dans ce que je présente, c'est... Il n'y a pas de dépenses. Il n'y a pas de dépenses. On régule simplement le budget et on met tout le monde au boulot et on ne fait pas de dépenses supplémentaires. Question d'Abdeslam Itache pour M. Marcel Campion et Karim Brittel. Alors, en fait, j'ai deux petites questions. La première, c'est j'ai bien compris que vous offriez le bonnet d'âne à Hidalgo. Donc, il n'y a pas d'accord possible au deuxième tour. Mais quand avec Hidalgo ? Oui, oui. Non, faut la foutre dehors. Faut que les Parisiens la mettent dehors, celle-là. Donc, vous confirmez bien mon propos. Mais est-ce que vous pensez que... qu'un accord est possible avec le deuxième arrivant, peut-être Rachida Dati. Pourquoi pas, s'ils viennent sur notre programme. Mais s'ils viennent sur notre programme, pourquoi pas ? Nous, on a un programme de bon sens. Mais si elle est devant, c'est que les Parisiens ont choisi son programme. Ce que je veux dire, peut y avoir consensus ? Non, mais attendez, pour l'instant, moi j'aimerais bien les connaître, les programmes. On ne les connaît pas, à part le mien. J'essaye de lire tous les jours ce qu'ils font. C'est de l'arnaque qu'ils font pour l'instant. Ils mettent les personnes, les médias mettent les personnes devant, sans arrêt en parlant de leur vie de famille, en parlant qu'ils habitent Paris, mais on s'en fout de tout ça. Il n'y a pas que qui habitent Paris, il faut savoir leur programme. Monsieur Quand Campion, je connaîtrai leur programme, on prendra une position. Est-ce que vous êtes Dati compatible ? Pour l'instant, non. Je voudrais qu'elle m'explique avant pourquoi, pendant tout le projet... Je ne vous demande pas si c'est envisagé, je vous demande si c'est envisageable. Bah, si elle vient dans notre programme, pourquoi pas ? D'accord. Bon, bien sûr. J'avais une autre petite question concernant les SDF. Alors moi, j'ai fait partie des élus qui ont passé la nuit dehors avec les SDF sur Paris. Vous avez peut-être suivi l'actualité il y a de ça 2 ans. Demain, vous êtes maire. Qu'est-ce que vous faites justement pour ces personnes qui vivent dans la précarité et qui meurent de cette pauvreté ? Alors déjà, il y a des choses à faire. Vous savez que l'État et la ville de Paris sont quand même propriétaires de grands établissements sur Paris.
vous avez quand même près de 200 chapelles, des sites, des cathédrales, et les gens vont plus à la messe. Alors, tous les endroits qui sont libres, il n'y aurait pas quelque chose à voir pour mettre un peu de gens dans tout ça? Parce que ces gens-là qui prêchent pour l'être humain, il serait pas mal de s'en occuper. Donc moi, je suis pas ni anti-religieux ni rien du tout. Mais quand vous voyez ces espaces, et qui appartiennent en plus à l'État et à la ville, bon, bah, il faut faire des réquisitions, tout simplement, puis mettre les gens à l'abri. Ouais. Tariq Mami. Monsieur Campion, vous êtes aujourd'hui sur France Maghreb 2, et nous sommes heureux de vous recevoir. Mais vous nous dites que vous n'avez pas accès aux médias, notamment les fameux grands médias. Comment faire pendant une campagne pour... que les citoyens, les Parisiens arrivent à vous détecter, entre guillemets, c'est, pour voter, sans que vous passiez par ces médias qui... Ben c'est extrêmement difficile. Alors, ce qu'on fait, on fait des... Regardez, on a, le 3 octobre, on a fait un... On l'a annoncé avec du bouche à oreille, on a fait un meeting Place de la République. Place de la République, la campagne commençait, on avait quand même un millier de personnes. Pas une ligne dans un journal, pas une télévision pour le dire, mais il y avait quand même 1000 personnes. On a les photos de tout ça. Et par la suite, j'ai entendu parler qu'il y avait eu personne à notre meeting. Deux jours plus tard, vous aviez M. Villani qui faisait une petite réunion dans un café. Il y avait 80 personnes et il y avait 350 journalistes. Vous ne pensez pas que les coûts sont montés? Donc nous, vous avez, la question est bonne. Comment on fait? Bah, écoutez, on essaye de faire du porte-à-porte, on essaye de regarder les gens, de discuter avec eux, de faire des meetings. Karim a fait déjà plusieurs meetings, on en fait à peu près 2 par semaine. J'essaye de faire des radios comme les vôtres, si vous voulez, ça nous intéresse, parce qu'au moins, quelques messages arrivent à passer. Mais les grands médias nationaux ont décidé que ça soit une omerta sur nous. Mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il peut y avoir un changement, compte tenu de ce sondage IFOP qui va sortir. Vous nous parlez souvent de ce sondage. On pourrait avoir un petit extrait, un petit sentiment pour les éditeurs de France Maghreb 2 qui vous écoutent aujourd'hui. C'est une bonne quinzaine de villes en France, hein, mais les Parisiens aussi. Alors, si vous voulez, oui, dans ce que j'ai pu voir, c'est que le programme que nous présentons, notre programme, c'est exactement ce que les Parisiens veulent. Donc vous verrez, dans notre programme, nous sommes les seuls, vous verrez les statistiques qui dépassent des 60% sur notre programme. Là, vous êtes en train de faire des désigues pour nous obliger à vous recevoir une deuxième fois le résultat. Non, vous verrez bien, mais le résultat, c'est l'IFOP qui va le faire paraître, et puis voilà, tout le monde l'aura. Mais il y a quand même, et puis vous verrez les intentions de vote aussi, vous verrez ma notoriété, parce que moi, il m'a été dit que j'avais aucune notoriété, et vous verrez que je dépasse une bonne quantité de candidats au niveau de la notoriété. Ce que je savais, moi, mais ce que les journalistes ne savent pas, d'après eux. Mais avec l'IFOP, ils vont peut-être le reconnaître. Et du moment que la notoriété doit vous donner la parole, eh ben, je pense qu'ils auront, après, l'obligation de me la donner. Vous comptez saisir le CSA ? Comment ? Vous comptez saisir le CSA pour pouvoir... Je les ai saisis déjà. Je les ai saisis. Le CSA saisi, pour l'instant, nous a répondu avec des critères. Ouais. Alors justement, si leurs critères sont bons, avec l'IFOP, il va falloir qu'ils l'appliquent. Ouais. Karim Brittel, je vous connais, moi, à titre personnel depuis longtemps. Vous êtes toujours refusé à faire de la politique. C'est le charme de M. Marcel Campion, c'est les idées, c'est ses batailles. Il vient de gagner au tribunal plein de procès alors qu'il a perdu l'exploitation de ce pourquoi il se battait. Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, en rencontrant Marcel, vous vous êtes dit, bon, cette fois, je tente quand même le coup? Comme j'ai expliqué, ce sont ses compétences, ses convictions... Et surtout la latitude qu'il nous donne à nous en tant que tête de liste. Aujourd'hui, par exemple, pour le 17e, ce que j'ai envie de faire, comme Marcel pour Paris, comme tous nos têtes de liste, nous sommes pour une grande majorité des Parisiens chefs d'entreprise en ce qui me concerne depuis plus de 26 ans. Parce que mes projets pour le 17e sont des projets de bon sens. Il n'y a pas de folie pour faire le buzz. Nous écoutons et répondons aux besoins des citoyens. Et je pense que les Français, de façon générale, en ont marre des petites têtes calibrées pour la politique. Karim, deux questions, mais 5 secondes de la réponse. Oui. Il y a combien de candidats dans le 17e ? Combien de candidats ? 4. 4. Et qu'est-ce qui fait, vous avez donc vos 30 secondes pour faire que l'auditeur de France Maghreb 2 qui habite dans le 17e ait dit « J'ai entendu Karim Brittel sur France Maghreb 2, ce qu'il a dit m'a convaincu, je vote pour lui. » Qu'est-ce que vous lui dites ? C'est ce que je viens de dire. Nous écoutons et répondons aux besoins des citoyens. Et je pense que les Français, de façon générale, en ont marre, comme j'ai dit, des têtes calibrées pour la politique et qui arrivent avec des programmes tout préfabriqués et formatés et qu'ils essaient d'adapter sans écouter ce que veulent les Parisiens. Très bien. Marcel Campion, la dernière minute pour nous dire et vous adresser aux Parisiens et Parisiens qui vous écoutent maintenant, pour nous dire pourquoi
Il faut voter pour les listes Libérons Paris le 15 mars prochain. À alors, vous de jouer. Déjà, tout de suite, c'est dire que je suis le seul candidat en opposition avec le système actuel. Le seul. Les autres qui se disent opposants vont avoir le même programme. Et j'aimerais bien qu'on parle, si vous voulez, de cette histoire d'écologie que tout le monde est en train de brandir avec le drapeau. Tout le monde est écologiste. Eh bien, il faut savoir regarder un livre qu'a sorti M. Gérondeau, qui a quand même été pendant plusieurs années le monsieur sécurité de la France et qui dit à Paris, l'air est pur. Avec des sujets, avec des expertises, avec ce qu'il faut de Air Paris. Donc, on est en train de nous trimballer dans une histoire où il faut sauver la planète, on va sauver Paris. Les gosses à l'école à 5 ans, on leur dit que vous allez sauver la planète. Mais regardez les arnaqueurs. Vous avez Madame Hidalgo qui dit, on va mettre des arbres. On va mettre des arbres sur la place de la Concorde, on va mettre des arbres à l'Élysée, on va mettre des arbres partout. Parce qu'il faut des arbres. Seulement, pourquoi elle a donné 25 hectares à Monsieur Bernard Arnault privatisé du Bois de Boulogne et que lui, il a coupé tous les arbres pour se faire un jardin pour lui? Donc, pourquoi elle a privatisé 25 hectares du Bois de Boulogne qui appartenait aux Parisiens pour les donner aux riches? Merci. Et les riches lui donnent le journal. Merci Marcel Campion. Merci Karim Britel. Merci Libérons Paris, c'est le mouvement que vous conduisez pour la mairie de Paris. Et le livre, merci. Le Paris du bon sens, chez Éditions Mareuil. Merci beaucoup. À très vite. Dans un instant, le quiz.